du commerce, heureusement, chargé de jeunes cadres avec de grandes capacités, l'air bio, une idée, pour qu'on comment peut transformer, pour faire que devienne une réalité. D'abord, nous devons connaître que l'entreprise ou quelqu'un, ce sont des entreprises normalement formelles. Nous faisons un gros pas, puisque les deux tiers du business qui existe, généralement, ce sont des entreprises informelles. Nous-mêmes, nous apprenons directement dans la formalité, puisque le ministère a lui-même chargé de faire formalisation ça pour nous. Non seulement la formaliser, nous, c'est-à-dire que nous-mêmes qui prenons formation, nous connaissons ça, ça veut dire, mais pour le grand public là, nous devons connaître cet ensemble de documents légaux que un business doit gagner pour fonctionner de manière régulière dans la société. Nous-mêmes, heureusement, nous n'avons pas de problème ça. Business nous a tout document que tout business doit gagner. Ensuite, nous te prenons le soin pour nous te former candidat à entrepreneuriat. Nous avons formation sur les rudiments de comptabilité et de gestion. Parce qu'en fait, si nous n'avons pas gagné, il y a beau approuver le projet, nous, il y a beau faire tout le bagage pour nous, mais si nous ne parlons pas comment pour nous gérer, ce serait peine perdue. Donc de telle sorte que nous-mêmes, nous recevons une formation, et par une deux semaines de ça, une formation qui t'ouvre la tête, nous toujours nous supposer, pour nous capables de gérer le business nous, de manière efficiente. Naturellement, nous avons tous des rudiments de comptabilité qui vous permettent nous apprendre à compter et apprendre à faire bagaille comme cela se doit. Naturellement, le fait que nous fassions faire là, le ministère n'a pas une prétention de laguer nous. Parce que s'il lague nous, non seulement il doit avoir des perditions, mais en même temps, il doit avoir laisser aller. C'est peut-être ça, si monsieur qui était préparé nous, formé nous, il promet nous tout, un accompagnement. Accompagnement, ça a commencé depuis le nous venons à guider nous. Il continue avec formation urbain nous. Qu'on y a là, le nous finit établi business nous. Il y a toujours bon Jésus sous nous. Pour veiller nous. Pour veiller, ça n'a fait. Est-ce que ça n'a fait, on a fait le bien? Il est évident que nous sommes capables de compter sur Edio et sur l'assistance pour assister nous tout le temps. Ensuite, il y a aidé nous joindre fonds nécessaires à l'établissement de chaque entreprise. C'est normal. Mais comme nous connaissons, ce n'est pas des fonds que nous avons directement. Il explique nous le processus là déjà. Donc, on n'a pas besoin de reprendre ni. Donc, on est que tout ça nous besoin en dedans business, on a bien elle. Je n'ai pas besoin d'accompagnement. Ensuite, comme on a besoin de prêter, hein, mon cher, je vous assure que nous mettons content d'avance parce que pas aucune institution à travers le pays qui t'a accompagné nous si bien que Jean, monsieur commission présidentielle, ensemble de concert avec cadre ministère du commerce et de l'industrie OFEL. Je débrouille au coup, mettre Jean-Jacques, pour joindre une façon. Je dépose un compte pour nous prêter à un taux, bon, je ne vais pas l'emploi, me dit que, mais à un taux de 3% là, pendant ce temps que nous-mêmes, nous avons établi business, nous avons au moins un an de grâce sans pour bailler 5 copes. Et puis, il n'y a pas qu'à prêter nous comme ça pour moins que 10 ans. Moi-même, je trouve que c'est extraordinaire. Et même temps, nous manifester contre nous. Programme ça, en réalité, il est tellement bon qu'il n'y a pas aucune discrimination. Non seulement il y a bien compte la question de genre,
puisque l'invite nous à associer nous entre nous, et puis l'invite nous tous pour nous dégager, nous connaître pour toujours une femme dans la nous. Donc, c'est déjà très bien. Parce que, avec les yeux d'une femme, toute bagaille est supposée bien marcher. Président Jovenel Moïse, nous-mêmes 150 jeunes qui sont les premiers bénéficiaires du programme ça, nous demandons pas la guerre programme ça, parce que son programme qui permet à ce que nous gagnons possibilité pour nous déboucher sur ça que en révolution agricole, c'est un programme qui permet à ce que Haïti retrouve avec quantité d'entreprises qui gagnent vers les années 80-90. Merci à l'équipe 4G programme ça. Merci pour la transparence. Nous sommes ici Saint-Michel de la Talaye, je ne connais personne. Mais je vous dis, je prends le temps pour moi-même, pas devant toute foule ça, pour me bénéficier d'un programme côté de Saint-Michel de la Talaye. Je vous demande bravo pour ça. Je veux dire que ce n'est pas une faveur, c'est 150 projets. C'est un mérite. Je suis sorti dans l'université ensemble avec un collègue, nous migrons pour Port-au-Prince. Nous tous diplômés. Nous sommes chita, nous avons un job dans Port-au-Prince. Mais je voulais vous dire avec le programme ça, je pense que, avec un peu d'émotion, je pense que je vais trouver comme patron Saint-Michel de la Talaye. Et chaque emploi, et chaque nouveau patron qui est là, je vous le dis, pour tous les patrons. Merci, Président, pour le programme ça. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que vous faites un grand pas dans la longue marche qui conduira Haïti vers la relance et la modernisation économique. Je ne vous apprends rien si je vous dis que la route de la réussite est difficile. La route du changement n'est pas facile. Il y a des forces contraignantes, des forces qui s'y opposent, des contraintes et des brèches à colmater. Il y en aura toujours. Je vous demande de ne pas lâcher prise, car c'est la fin qui justifie les moyens. Maman, femme, à qui m'a mis bénéficiaire pour le projet SAO, je dis merci, Président. Merci, Commission, je laisse là. Après, je viens d'entendre, jeune ça, qui saute dans Saint-Michel de la Talaye, fin balai. Presque le dit, il n'est pas important aujourd'hui pour me parler encore sur l'activité. Parce que je dis tout bagaille. Monsieur dit tout bagaille sous exclusion qui vient dans le pays. Monsieur dit tout bagaille sous statu quo. Je ne parle pas de statu quo. Nous ne pas cibler un groupe. Nous voulons parler des gens qui ne sont pas jamais d'accord pour rien changer dans le pays. Et pourtant, changement est inévitable. Parce que si nous-mêmes, qui notre pays, nous voulons parler de l'élite, élite politique, élite économique, élite intellectuelle, si nous parlons de faire changement, peuple a fait le bon. Et c'est pour raison ça, là, on prend décision, on dit que le programme ça, il faut qu'il fait et nous connaissons le président de la vision. Je ne sais pas comment tu peux avoir les papèges. Je ne sais pas te connaître ça. Mais seul, ça me connaît. Je me dis, moi, je suis victime. Moi, je ne veux pas quitter le pouvoir. Ça. Après 5 ans, pour me quitter, on brûle notre victime dans le pays.
Moi, profiter pour me féliciter ministre Koumès là, qui fait commencer dans le ministère, ça pour moi. Mais elle était vite comprendre la commission que je me mets sous pied l'année passée pour faire insertion jeune. Le livre de loi projet en un ministère. Parce qu'il faut ne pas oublier. Le président, mais c'est le gouvernement qui l'a pour faire vision atterrir. Ça veut dire si le gouvernement n'est pas motivé, n'est pas intéressé pour vision atterrir, la difficile en pile. Et pour ne pas dire parfois la peine possible. Parce qu'après 20 mois, je fais expérience là. Quand il y a des bagages, je voulais faire, mais qui n'est pas fait. Parce que le ministère ou direction qu'il a qui vous fait, et c'est pour ça que nous, le remaniement ministériel fait, le gouvernement tombé. Et nous continuons toujours dans la réforme qui pour permettre nous l'État que nous vivons. On l'État que nous avons mis dans le service. C'est même en tant que ministère commerce aujourd'hui qui vient jouer un projet ça. 3000 jeunes. Je ne dis pas 3000 jeunes seulement, non, 3000 entreprises. Ça veut dire que nous avons plus de 9000 jeunes qui sont 3000 entreprises qui soumettent dossier pour entrer dans le programme. Vous comprenez ce que ça veut dire? 150 entreprises pour choisir, il y a 3000 entreprises qui soumettent dossier. Mais la réalité est pays. Ça veut dire. Est-ce que nous cap camper garder l'autre 2850 entreprises pour ne pas camper garder son seul c'est pour nous créer opportunité meilleur nous ca dit au même y a besoin crédit Jean nous se dit crédit bien arrangé bien fait à hauteur de 3% mais l'autre 2850 entreprises, il faut nous commencer le travail pour nous voir comment, à travers le réseau coopératif qui vient dans le pays, comment pour l'État travailler l'argent que moi-même m'attendais dans les oreilles chaque jour, 20 mois depuis que je connais l'argent chaque 3 mois qui vient dans le pays. Soit qui était 50 millions, qu'on y a 70 millions. 70 millions de dollars américains, l'argent que l'Espagne a décidé de bailler pour prêter entreprise. Mais qu'on y a pensé que, avec nouveau ministre finance, nouveau ministre coopération externe, nouveau ministre commerce, nouveau premier ministre, il faut aller fouiller, j'ai regardé. Au COP qui baille depuis 2011, après le mouvement d'été, jusqu'on y a Kobla pour Koka. Kobla te baille sous non Haïti, Kobla pas jamais dépensé en Haïti. Ça veut dire fort. Nous allons faire regarder. Pour nous, 70 millions de dollars, ça. Il était 50 millions, il était 70 millions. Parce que le COBLA a placé dans la banque à l'étranger. COBLA nous. Tout ça, il y a des conditions à ce moment-là pour nous dire. Et modèle, là, à travers FDI, qu'on y a nous dit que ça que l'État, ça qui que nous même mettons en place ça. Gouvernement en place là, qui dirige l'État, dit que aujourd'hui, c'est l'opportunité de bailler jeunes garçons et jeunes filles. Jeunes amis sous deal. Côté où tu as sauté Saint-Michel de la Talaye, où tu as sauté la Victoire, Renquit, Baron, pour nous devenir bon crédit ici. Dis-moi qui bon, où tu as passé. Moi-même qui campe devant nous là, et l'homme te dit dans un
interview que j'ai eu chance pendant que j'étais candidat, fait avec un gros historien dans le pays d'Haïti. Il était posé une question qui deux modèles. D'ici moi, le président, je dis Antoine Simon comme modèle président haïtien, l'autre là c'est Mandela. Je me dis pourquoi Mandela? Je me dis, si je ne pas choisir Mandela, c'est difficile pour diriger le pays. Parce que je suis tellement victime de la guerre en Haïti. Par exemple, premier crédit, je suis jeune dans le pays, ça 36% de moi. Et c'est même FDI, ça aujourd'hui, chef de l'État, président de la République, moi, fais bon crédit à 3%, c'est l'État, bon, la 36%. Mais comment est-ce que moi? Parce que longtemps, je ne connais pas même si FDI existe. Moi-même, comment est-ce que je ne connais pas si il existe. C'est à travers l'autre institution financière que FDI te ka prêter l'argent. Il n'y a pas de droit prêter l'argent directement. Et Fondili, depuis la décision qui prend en 2012, sous l'administration du président Matéli, FDI commence à prêter l'argent direct. Je me dis l'argent direct, monde qui prête Ticob ou qui prête l'argent direct. FDI. FDI qui est le fonds de développement industriel. Nous pas qu'un pays pour nous décider de faire, alors pour nous parler de l'homme qui choisit Nelson Mandela, pour nous décider de dire que un groupe de monde qui est même pas lié pour nous mettre pour nous une richesse dans la vie. Ça veut dire groupe de monde, il est là tout le temps pour nous réfléchir pour faire l'autre monde riche. Mais vous n'avez pas réfléchir pour faire vous même riche. Et mais ce groupe, nous avons aujourd'hui, je me dis, en janvier 2018, ce groupe, nous avons aujourd'hui, je me dis, c'est pour mon idée. L'idée là, c'est qu'il faut vivre le monde au réveil. Et ce groupe Mounsa, je vous dis, les oubliés de la République, cette majorité, je profite et félicite nous, comité jeunesse, je profite et félicite ministre commerce, parce que ça, son patrimoine en pile dans le projet. Je me garde, moi, c'est 85% qui allait dans le financement d'entreprise. Ça veut dire, si nous arrivons à débloquer, arriver à jouer un milliard de gouttes, par exemple, il y a 850 millions dans le monde. Ça fait plaisir. Et c'est l'État ça nous veut construire. On l'État pour nous mettre dans le service. Qu'un de femme pas la guerre, qu'on est que travail, entrepreneuriat, c'est un travail qui est difficile. Nous avons une chance, ça, nous avons une opportunité à pas quitter l'aller. Son seule fois, nous avons une opportunité dans la rue. Thank you.
vous accueille de nouveau ici ce soir à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine-Taïwan. Tout d'abord, je tiens à assurer au nom du gouvernement et du peuple de la République de Chine-Taïwan, au gouvernement et au peuple haïtien, de notre entière solidarité face à la catastrophe du séisme du 6 octobre dernier qui a causé des pertes de vie et des biens des populations du Grand Nord. Je souhaite également présenter mes condoléances et sentiments sincères de compassion aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette catastrophe. Mon pays, qui a surpris le monde entier au début du XXe siècle, est connu comme la première république établie en Asie. À l'instar de la République sœur d'Haïti, saluée comme la première république noire du Nouveau Monde et le premier État indépendant en Amérique centrale du Sud et dans les Caraïbes. Cette nouvelle date du 10 octobre 2018 est pour le gouvernement et le peuple taïwanais l'occasion de fêter le 107e anniversaire de la fin des dynasties en Chine continentale en 1912 et la continuité sans faille du régime politique instauré depuis 1949 à l'île de Formose en Asie Pacifique, bien connue sous le nom de Taïwan. État de droit libre et démocratique, la République de Chine, Taïwan, se réjouit-elle de partager avec la République sœur d'Haïti les valeurs universelles de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme. Et le système démocratique de mon pays est encore une fois apprécié récemment par la communauté internationale comme le vice-président des États-Unis d'Amérique, M. Mike Pence, qui a prononcé le 4 octobre dernier que Washington restera toujours convaincu que le modèle démocratique choisi par Taïwan constitue une meilleure voie pour tous les Chinois. Cette année, le nombre de boursiers haïtiens du gouvernement taïwanais est augmenté à 33, soit presque le double par rapport à l'année dernière. La dernière cohorte de boursiers vient de laisser Haïti pour Taïwan en août dernier. Et en ce moment, ils ont bien commencé à s'adapter à leur nouvelle vie pour les quelques années à venir. Constamment, il existe à peu près 230 étudiants haïtiens qui font leurs études avec un long séjour à Taïwan. Il ne fait point de doute que de génération en génération, ces jeunes et brillants haïtiens ont contribué au développement de leur pays et à l'approfondissement des liens d'amitié et de coopération entre Taïwan et Haïti. Avant de terminer, je voudrais m'adresser aux honorables sénateurs et députés ici présents. Le Parlement, symbole d'un pays démocratique, sera le terrain où mon pays souhaite promouvoir de nouveaux échanges et collaborations avec Haïti. C'est pourquoi l'ambassade travaille en ce moment avec les deux chambres du Parlement haïtien pour qu'un groupe d'amitié haïtiano-taïwanais dans chaque chambre soit établi. J'espère que l'année prochaine, à cette même occasion, je pourrai vous annoncer une bonne nouvelle à ce sujet. Distingués invités, chers amis, après avoir été confrontés à une situation particulièrement difficile le 5, 6 et 7 juillet dernier,
Haïti est en train de regagner la voie de la stabilité et du développement. Je salue le courage du peuple et la détermination du gouvernement haïtien. Je souhaite le succès au président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, au Premier ministre, Son Excellence M. Jean-Henri Séan, et aux membres du gouvernement, au président et membres des deux chambres du Parlement, et à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. Je souhaite la paix et la prospérité à la nation haïtienne. Je voudrais donc vous inviter à lever vos verres. Je voudrais donc vous inviter à lever vos verres à la bonne santé des relations taïwano-haïtiennes. Vive la République de Chine, Taïwan. Vive la République d'Haïti. Vive l'amitié taïwano-haïtienne. Je vous remercie. Le gouvernement haïtien, à travers ma personne, se joint à vous aujourd'hui, ce soir, monsieur l'ambassadeur, pour commémorer cet événement historique, marquant, et pour partager ce moment de grande convivialité. Au nom du président de la République, Son Excellence monsieur Jovenel Moïse, du Premier ministre, Son Excellence monsieur Jean-Henri Séan, du gouvernement et du peuple haïtien, je tiens à adresser à tout le peuple taïwanais en général et au chef de l'État en particulier, Son Excellence Madame Tsai Ing-wen, dont vous êtes l'auguste représentant, dans notre pays, monsieur l'ambassadeur, les vœux d'amitié, de santé, de progrès et de prospérité. Et davantage de prospérité. Le gouvernement haïtien table sur un taux de croissance de 4% en 2019, et ce, grâce à la mise en place de mesures de soutien portant sur l'amélioration du cadre macroéconomique, performance budgétaire et financière, et de l'environnement des affaires. Il est évident que cet objectif de croissance pourrait ne pas être maintenu, compte tenu du séisme de magnitude 5.9 qui a frappé le Grand Nord au cours du week-end écoulé. Le gouvernement va certainement procéder à une révision de cette croissance projetée à la lumière des données qui seront disponibles après l'évaluation en termes réels des dégâts causés par ce sinistre. Les catastrophes naturelles nous imposent depuis quelque temps un macabre rendez-vous annuel avec notamment de forts risques d'ouragans et d'inondations. Le séisme du samedi 6 octobre dernier est venu nous rappeler que nous devons, plus que jamais, nous attendre à tout moment à un séisme de n'importe quelle magnitude. Dans tous les cas, ce sont des phénomènes naturels auxquels, hélas, nous ne pouvons échapper. J'en appelle donc à l'accompagnement solidaire et constant de tous les partenaires de la communauté internationale, dont évidemment la République de Chine, Taïwan, pour contribuer au renforcement des infrastructures du pays en vue de réduire sa vulnérabilité et de mitiger les effets des catastrophes naturelles auxquelles, malheureusement, notre pays est exposé. Le gouvernement haïtien est très, très conscient de ceci. Et c'est pourquoi il entend mobiliser des ressources supplémentaires pour intensifier les efforts de prévention et de résilience du pays. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je crains que ce ne soit déjà fait. Donc, j'allais, en ce jour de célébration de la création de la République de Chine et au nom de l'amitié haïtiano-taïwanaise, inviter tout le monde à porter un toast, mais c'est déjà fait.
Eh bien, qu'on le refasse. Apportez un toast. Pour le resserrement et la consolidation des relations entre Haïti et Taïwan. Vive Haïti, vive Taïwan. International sur les violences basées sur le sexe et le genre du tout. Mais pour nous, au niveau de la police nationale, ça comporte une importance tout à fait spéciale. Parce que, au regard de la devise de la police nationale par rapport à la mission qui nous est confiée, nous sommes appelés jour et nuit à lutter contre toutes sortes de violences. Je salue la présence de tous les policiers des différents départements du pays ici présents ce matin. Ça explique l'importance que la police accorde à la lutte contre la violence basée sur le sexe et le genre. Je salue d'une façon spéciale le magistrat ici présent, magistrat assis et debout. Pour arriver à bien lutter contre la violence basée sur le sexe et le genre, cela demande une sorte de synergie bien montée entre la police et la justice. Nous aimerions avoir un pays où cette question de violence touche à sa fin. Et ça, c'est une lutte. Comme a dit Victor Hugo, pour vivre, il faut lutter. Au niveau de la police nationale d'Haïti, nous sommes prêts à lutter. Et nous avons déjà commencé à faire montre de courage, d'une volonté pour que tous les gens puissent vaquer librement à leur occupation. C'est bien malheureux, on ne peut pas prolonger le séminaire
Mais vous convenez avec moi l'importance que tel séminaire revêt pour nous tous ici présents. Et je demande à tous les policiers, aux directeurs départementaux ici présents, de travailler à pouvoir motiver chaque jour nos policiers pour que cette lutte soit tout le temps réelle. C'est avec grand plaisir que je me joins aux organisateurs et partenaires de ce séminaire international portant sur les violences basées sur le sexe et le genre. Il est donc primordial d'avoir une société sensibilisée sur la question de la violence basée sur le genre et certainement une police forte et professionnelle, de sorte qu'elle puisse répondre de façon adéquate aux appels à l'aide de la population. Pour son aide internationale, le Canada compte appuyer pleinement la réalisation de l'agenda 2030 et de ses 17 objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 5, à savoir parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. Le Canada participera du 25 novembre au 10 décembre prochain à la campagne annuelle mondiale de 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes lancée par les Nations Unies. Ceci donnera l'occasion de dynamiser les actions visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles partout dans le monde. Le Canada s'est engagé à soutenir les organisations féministes qui font le plaidoyer et qui luttent pour la promotion et la défense des droits des femmes et des filles. Nous nous réjouissons également de notre étroite collaboration avec la sénatrice Luma, qui s'est fixé l'objectif d'améliorer le cadre légal afin de protéger les femmes et les filles de la violence. Ainsi, bientôt, cette collaboration permettra de faire avancer le travail des organisations féministes de ce pays qui ont lutté si durement pour doter le pays d'une loi cadre contre la violence. Des lois spécifiques suivront. Je l'espère, mais c'est un impératif. Haïti et le Canada reconnaissent ensemble que l'égalité des sexes et le renforcement du pouvoir des femmes sont des volets essentiels de la lutte contre la pauvreté, du développement humain et des droits de la personne. Je suis vraiment contente d'être ici parmi vous pour la clôture du 4e séminaire international en Haïti sur la violence sexuelle. Je vous souhaite remercier tous et toutes pour votre participation et saluer le travail, car c'est tous les policiers, les commissaires du gouvernement et les juges, qui, vous qui êtes en première ligne quand il s'agit de lutter contre des formes de violence intolérables. La Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'homme, comme a dit l'ambassadeur du Canada, les résolutions du Conseil de sécurité et les autres documents normatifs sont des outils importants dans la lutte contre la violence sexuelle. Malgré cela, la violence à l'égard des femmes et des filles est l'une des violations des droits fondamentaux les plus fréquents, et pas seulement en Haïti, mais dans le monde entier. Dans les faits, c'est votre action quotidienne et votre professionnalisme qui permettra que les victimes soient protégées et que la justice soit faite. De par votre travail, vous savez que lorsqu'on utilise le terme générique de la victime, il y a derrière une personne, une famille, une communauté. Tous ces gens, toutes ces entités souffrent.
Elle nous concerne tous et toutes car elle ne connaît pas de frontières. Pas de frontières économiques, sociales ou géographiques. Leur impact d'observer sur l'ensemble de la société et sur l'ensemble d'un pays. On mesure souvent l'efficacité du système judiciaire par le traitement des cas de violence sexuelle, par le nombre de cas enregistrés et résolus. Je voudrais ajouter à cela le rôle que vous incombe tous de prévenir dans la mesure du possible le plus grand nombre de ces cas. Au cours des 3 jours de ce séminaire, vous allez parler, entre d'autres, de la prise en charge des victimes, du traité des personnes et des violences et du thème sur les violences conjugales. J'espère que vous reparlez avec les outils, que vous repartez les outils, les idées et les convictions que vous aidez dans votre travail quotidien et améliorer la vie des victimes. Elles ont besoin de vous, d'autant plus si vous-même vous avez été victime d'une violence sexuelle. Je voudrais remercier le juge et directrice de l'éducation de l'école de la magistrature, Maggie Florestal et Ronald Perfis. Le fait que la moitié des juges et des commissaires du gouvernement et un tiers des policiers présents lors du séminaire sont des femmes est extrêmement encourageant. Cela témoigne de la présence des femmes au sein de vos institutions. Mais ce que je trouve encore plus encourageant, c'est que plus de la moitié des participants ici sont des hommes. Trop souvent, lorsqu'on parle de questions de genre, il n'y a que les femmes qui sont présentes dans les salles, alors que les attitudes des hommes et les garçons, vos fils, affectent directement la santé et le bien-être des femmes et des jeunes filles. Pour prévenir et lutter contre les violences sexuelles, nous devons mobiliser les hommes, les pères, les frères, les amis. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer le soutien financier et humain de la Norvège et du Canada qui appuie depuis 8 ans la composante police de la MINUSTAH et puis de la MINUSJUST pour soutenir cette lutte contre la violence sexuelle en Haïti. Au cours de ces 8 ans, beaucoup a été fait. Et je soulignerai la création et le fonctionnement depuis 2015 de l'unité de lutte contre les crimes sexuels, le ULCS de la PNH. Sous le leadership de l'inspecteur principal, Mamoucha Renier, cette unité compte aujourd'hui 13 membres et leur travail est clé pour pérenniser le progrès après le retrait de la MINUSJUST en 2019. Je sais que beaucoup reste à faire, mais pas seulement en Haïti, dans tous les pays du monde. Mais je veux vous dire que quand je vois votre implication à tous, et notamment celle de l'inspecteur principal René, je suis contente. Votre collaboration dans le cadre de ce séminaire et dans le travail quotidien que vous faites est un exemple sur lequel nous devons appuyer pour redoubler les efforts afin de faire respecter le droit de chaque femme et de chaque fille à une vie sans mauvais traitement ni violence. Merci beaucoup de nous avoir invités et je suis très impressionnée par votre présence. Merci. Jodi.
séjour réunion statutaire conseil là. Et nous comprenons tout par façon avocat yo exprimé yo, nous comprenons ni que des urgences à ce que gagner une position qui arrêtée par le conseil yon reste dans le cadre d'une résolution qui prend ramasser toute proposition, toute suggestion qui fait par confrères et consoeurs. Nous prenons profiter de ça pour nous battre faire pendant que le show. C'est étant donné que nous, dans l'heure pour nous réunir, le conseil n'a pas réuni, c'est ça qui fait que nous avons mis fin à la réunion. À partir de ça, dans la réunion, nous avons suspendu la réunion. Nous avons suspendu la réunion. Nous prenons rentrer en conseil. Nous prenons le travail pour nous capables sortir à la résolution. Jean que avocat yo exprimé yo jodi à la réunion. Donc n'a pas retourné vers vous-même et après-midi en capable nous pral étudier en conseil d'autres actions et probablement faire une intervention dans la presse pour nous exposer les différents cas de violation des droits des avocats par des policiers et ensemble résolution que le conseil là pral prend pour nous capables demander à ce que immédiatement des décisions capables d'arrêter en un système là et que nous capables de mettre en état tout le monde qui est pour mettre en état dans cette décision. C'est un bagage qui concerne tout avocat. Et Jean nous a regardé là, il y a une assemblée qui était faite là, Baoua, il prend des dispositions côté que vous demandez à tout avocat pour que vous campez le travail jusqu'au lundi 15. Et parallèlement, vous demandez, vous accordez un délai qui est très court à la commissaire du gouvernement pour que vous prenne des mesures pour que vous réparez ce qui arrive à l'avocat. C'est regrettable dans nos institutions, dans pays, dans le pays d'Haïti, côté que gagné en pile crise qui a traversé le pays, côté que nous avons besoin de la police pour mettre la sécurité dans le pays, et nous voyons que nous avons une crise comme ça dans le pays, dans l'époque ça. Je pense que le ministre de la Justice, le commissaire du gouvernement, est responsable de la police, il a pressé, rentré en contact avec responsable barreau de Port-au-Prince et nous tendons tout que des dispositions qui prennent pour que tout l'autre barreau qui dans 18 juridictions et tribunal premier instance pays d'Haïti ont touché des questions. Nous avons souhaité que le ministre de justice là, premier ministre là, n'a pas quitté la situation ça a dégénéré parce que c'est un problème qui gagne entre quelques policiers qui malheureusement n'ont excès de zèle et, ou du moins sans altercation avec des avocats gagnés des incidents regrettables qui passaient. Je pense que faut que nous gérions la question ça de manière institutionnelle et pour que bagay ça nous mettons frein avec. Parce que de toute manière, ça que le gouvernement il doit comprendre. Nous ne pouvons pas aimer pour que ça que fait là prêter le flanc à d'autres mondes qui voulaient faire des ordres généralisés dans le pays. Donc le premier ministre Jean-Henri Séan, le président de la République qui est le garant, le principal garant de la bonne marche des institutions en vertu de la Constitution, gagné le directeur général de la police, Poumbadi, le conseil supérieur de la police nationale, ils ont supposé rapidement réunir là avec les responsables du barreau pour nous joindre une solution institutionnelle. Si nous quittons, c'est avocat qui gère la question ça, croyez-moi, l'État a bien pile de difficultés, j'aimerais annoncer le déjà, parce qu'il y a pile policiers qui sont sérieux dans la police, institutions sont institutions que nous avons besoin, mais si il y a 2-3 policiers qui font excès de zèle, il faut au moins nous montrer qu'il y a une velléité pour que nous réparer des ordres qui sont faits là.
barreau de Port-au-Prince pas un lien avec la police. Tout avocat pas un lien avec la police. Mais nous comprenons que dans l'intérêt bonne marche institution policière là, si il y a des policiers qui comportent mal, faut au moins gagner des sanctions qui baillent pour que tout le monde, lorsque vous voyez un policier, vous pensez que tout policier, c'est le même genre que vous voyez. Bon, écoutez, moi-même, j'ai gagné une position personnelle sur ça, sous question d'émission commissaire du gouvernement, mais on comprend que c'est l'Assemblée qui pour primer. Si Baoua lui demandait, si accordait un délai à commissaire Oknam pour que lui montre que lui a fait travail, moi-même, je ne pas trouvé grave, bien que ce n'est pas position toute l'Assemblée. Je pense que, puisque il y a une décision qui prend là, et si c'est commissaire Oknam qui pour aider à joindre une solution à la crise là, il y a un moratoire, jusqu'au 15, nous sommes capables de tendre jusqu'au 15 pour nous voir qui ça a fait, pour nous voir si effectivement, et le commissaire Oknam Damaeus, il a gagné la volonté pour que lui résoudre la question avec les autres autorités établies. Parce que, un avocat pas capable de faire tête de justice. Baoua, il n'est pas juge. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons battu en justice, mais on comprend que dans tout pays, que le barreau, les barreaux ont constitué dernier rempart dans nos sociétés. Si c'est avocat qui est victime, si c'est avocat que vous avez bastonné, si c'est avocat que vous avez baillé soufflette, à ce moment-là, on comprend que la société a perdu toute confiance que vous avez dans l'institution. Et c'est nous-mêmes qui avons un dernier bagage pour venir là, pour venir demander nous aide. Mais c'est nous-mêmes qui sommes victimes, on comprend que ce n'est pas bon. Je pense que l'intérêt, l'État, Jean qui m'a annoncé ça, pour que vous preniez question, vous traitez question de manière institutionnelle, de manière responsable, pour éviter que Chrisa qui a annoncé là, pour que Chrisa n'ait pas débouché sur un chaos total, dans le moment ça, à côté que nous connaissons, déjà il y a une crise politique qui a traversé le pays. À bon entendeur, ça. Que sentimental là, c'est un état complet de bien-être, non seulement physique, mais mental. Tout le monde dit mental là, psychiquement. Je m'a parlé de psychique, non, ouais, ça m'a parlé comportement. Non, comportement là. C'est-à-dire que si on est en matière de comportement, eh bien, li a mal comporté, à partir de là, doit gagner suspicion, questionnement pour dire ah, gon problème dans comportement moun sa, gon problème dans niveau psychique, li gon problème psychologique. Maintenant, comportement, gen deux éléments qui permettent d'évaluer. L'autre dit comportement, son grand mot, mais moun nan gen droit pas ouais, mais ça comportement, li c'est deux bagailles. Li c'est parole et action. Sous vlo ka di geste, mais parole, c'est-à-dire ça m'a dit qui permettent ouais, est-ce que mon bonne santé mentale ou pas? Ça m'a fait comme action qui permettent ouais, est-ce que mon bonne santé ou mental ou pas. Maintenant, ça va dépendre culturellement dans qui pays mieux. Parce que tout pays n'a pas la même loi. Par exemple, on moun aux États-Unis, on croise cap pipi dans la rue, puis bah, moun nan di, ou quoi tête moun sa bon, ou quoi en bonne santé mentale. Mais en Haïti, ou on moun a pipi, c'est pas que le normal, non, mais culturellement, le vin acceptable. Là. Ouais, le vin acceptable, moun a dit, ah, ou moun a pipi, le passe tout droit. Donc, c'est pour nous dire, et les facteurs culturels, les facteurs socioculturels, le capital, la loi paysan, éducation, familiale moun yo recevoir parce que ti moun jodi grand moun demain so pote ba yo comme parole so pote ba yo comme action c'est yo yo pral répéter c'est yo qui vin culture. Donc maintenant quels sont les facteurs qui capable influencer et santé mentale ou moun? Eh bien gen de, map division en deux, gen des facteurs externes à col, c'est-à-dire de yo col, gen des facteurs endogène interne à col. Endogène yo bon commencer par yo, par exemple gen maladie physique, c'est-à-dire là où mon malade c'est maladie physique, c'est ça que fait mon alka docteur, c'est santé ça mon yo habitué avec, mais c'est pas ça seulement. Maintenant si on monde fait par exemple depuis tout petit il fait à un tumeur dans le cerveau, il fait à un problème quelconque, déjà un tumeur dans le cerveau par l'engendrer un bon symptôme, il prend le bon et un dérèglement cérébral, un dysfonctionnement cérébral, il prend le bon, d'ailleurs c'est des monde qui va souffrir assez souvent, tête fait mal, douleur, il prend saccager col, son monde qui doit pas apprendre, son monde qui doit pas sentir le même Jacques tout le monde, il va dans n'importe qui l'autre malade. Par exemple, ou moun qui développe un malaria, malaria compliqué, le cas de confusion cérébrale. Confusion cérébrale, même si vous avez l'hôpital, on a tiré coup de pierre et l'homme, on a besoin de jour. Et pour des moun qui ont des problèmes
et ça yo. Donc ça veut dire que gen des maladies physiques, gen des conditions physiques défavorables à une santé physique qui capable mener un monde compliqué situation qui fait comportement vin anormal soit en parole et en action qui pral bal problème mental qui c'est contraire à bonne santé mentale. Donc des pour gen problème mental, des pour un problème de comportement li créer une absence de santé mentale. L'autre facteur yo, c'est des facteurs externes à quoi j'aime dire, ce sont les facteurs sociaux, politiques, culturels, économiques. Un pays par exemple côté qui gagne instabilité politique, tire à droite à gauche, on a victime, côté famille a crié, relé en moi, même monde qui pas famille ouais ça, yo peur, yo sous stress, et ben toutes conditions socio-économiques, culturelles, politiques défavorables au vivre ensemble, au bien-être, eh bien, il va l'engendrer stress là, car tout net va l'engendrer. On bagaille fondamental créer le stress. Ou stress là, c'est même question. Stress là, car on se de l'autre bagaille, hypertension, justement, hypertension artérielle, diabète, agressivité, irrespect, moun li en dehors de lui-même. C'est comme si c'est pas moun ça encore, tout moun déconner, li ka fait n'importe quoi. Par exemple, maintenant, gardez ça crivé dans Grenoble. Un séisme, un tremblement de terre qui a écrasé. Là où moun te gagne un caille, il t'a fonctionné, il t'a travaillé, il t'a gagne un petit coble, il t'a touché, il t'a gagne famille. Et puis brusquement, tremblement de terre fait, caille écrasé, famille mourit. Est-ce que vous imaginez conséquences ça sous l'esprit? Là, puis imaginez côté le pral, c'est deux monde qui sous choc, je dis à un grand noir et qui malade mentalement. Non seulement ils sont choc émotionnel qui mérite accompagnement psychologique, et là, ça, c'est pas intervention politique qui pourrait résoudre le problème, ni faut qu'on ait fort fond après psychologique, faut prendre des psychiatres, des psychologues, travailleurs sociaux qui pral prend moun sa yon charge. D'ailleurs, c'est premier travail ça qui pour fait l'offre fait identification toute victime yo, évaluation problème yo. Premier bar moun nan besoin son évaluation psychologique pour parler avec elle. C'est lui pral raconte au salte gen, mais ça crive le chap moun yo, pas présent au bagage la même gens parce que yo pas tap vivre même réalité socio-économique. Maintenant, c'est après qu'on yon ou pral nan question manger, ou pral nan question reconstruction. D'ailleurs, la prise en charge des victimes de catastrophe, gon équipe étape que l'engendre. Donc c'est pour me dire que problème ça yo, conséquence catastrophe yo sous la vie moun, eh ben si yo pas prend charge, si yo mal prend charge, eh ben pas gain conséquence sous comportement yo parce que ça seulement ka fait moun se vin gon déséquilibre mental et moun sa yo ka vini de véritable malade mental et qui sait que Rodia en tant que président commission permanente mine et énergie qui concerné par tout ça qui a passé dans pays de puis le dernier tremblement de terre et 5.9 qui passait dans le pays et qui causait pas mal de dégâts dans plusieurs départements pays. Alors bon, nous observons ensemble de mobilisations faites au niveau du gouvernement, au niveau du parlementaire et nous avons présenté sympathie nous, mes collègues qui gagnent dégâts, qui fait la caillou, qui gagnent par exemple l'église qui tombait, l'école, le monde qui est victime. Et il faut qu'on dit que c'est un tremblement de terre qui passait presque sur l'ensemble du territoire, puisque de côté PAM à Baradeur, il y a ce tremblement de terre à l'entour. Alors, ça qui préoccupe aujourd'hui comme président de la commission mine énergie, c'est surtout sous question prévention qui est extrêmement importante pour nous. Parce que, et là ici, de par situation géographique, nous connaissons Antilles, c'est-à-dire l'arc des Antilles, c'est un pays qui, de toute façon, qui est condamné pour gagner toujours des tremblements de terre. Tout comme nous connaissons que nous sommes des cyclones, nous avons toujours un cyclone dans le pays. Tremblement de terre, là, périodiquement, même si c'est chaque 100 ans ou chaque 150 ans, nous avons toujours des tremblements de terre. Donc, dans ce cas, c'est préparer pour nous préparer la population, renforcer la résilience de la population face à phénomène de tremblement de terre, là. Réagir après catastrophe. Mais nous négliger la question de prévention. Nous songeons en 2010, après 2 janvier 2010, quand pile de déclaration que tu as fait dans le pays, je te dis qu'on t'a parlé de renforcer l'organisme qui juste une mission pour faire surveillance, contrôle, question, séisme dans le pays. C'est une grande promesse qui était faite par exemple au bureau des mines et de l'énergie. Malheureusement, jusqu'à présent, les malheureux pour nous dire que le bureau des mines et de l'énergie, dans un budget qui gagne plusieurs milliards, c'est un milliard de gouttes de la bureau des mines et de l'énergie gagne seulement 60 millions de gouttes de la 60 millions de gouttes et pour investissement et pour fonctionnement. Donc ça, c'est une bagaille qui est inadmissible pour que par rapport à l'importance de l'énergie,
seule institution dans le pays à nous gagner qui peut faire prévision, qui peut faire sensibilisation, qui en mettant des sismographes sur ensemble territoire, qui peut justement aider la population à prendre des mesures, à prévenir. Donc, malheureusement, l'institution ça n'a aucun moyen pour lui faire travailler. Parce que le ministère de l'énergie, je dis, hein, malgré toutes les promesses faites après 2010, jusqu'à présent dans le budget de 60 millions de gouttes. Nous connaissons un tremblement de terre qui fait passer là dans le commencement de la semaine dernière là. Côté que gagné Port de Paix qui victime, gagné la Tibonite qui gagne quelques communes là qui victime tout. Eh bien, nous-mêmes, dans le cas avec la vache, nous voulons sympathie nous bay moun sa yo. Nous voulons dire que moralement, n'a supporté et nous fait des interventions tout bon côté exécutif là qui même quand c'est de loin pour porter aide bayo exécutif là lui-même li actif là garder qui gens capable soulager dans situation difficile là. Entre-temps, nous gagne la ville locale avec Ilavache qui fait plus qu'on semaine et demie en bas de l'eau, la pluie a tombé sans arrêter. Côté qui en pile monde qui te gagne des maisons de fortune, un paquet de tikay qui pas ca résister trop, monde ça yo en pile là-dedans yo et dormi dans de l'eau en pile là-dedans yo, pas gain côté pour yo rester en pile là-dedans tout souffrir gango en pile. Monde qui était déjà pas travail en bas la pluie à situation vin empiré. Dans ce sens, je demande au gouvernement, par intermédiaire d'institutions socialisantes, pour regarder qui est capable de river ou mounoka avec mouni lavache qui est dans une situation difficile. Et ce n'est pas seulement mounoka qui lavache, c'est tout le département sud la net de Ake à Tibiwo qui a des problèmes. Mais mounoka, vous connaissez Jean Ville la fête la li plate, particulièrement, il y a plus victime de l'eau de la pluie qui tombe sans arrêter. Dans ce sens, Akaye qui c'est zone de référence, une zone de paix qui est transformée en zone rouge. Donc ce n'est pas possible, nous disons assez. Et dans le mandat que nous avons, député Fekir, ça fait une quinzaine de jours, nous adressons une correspondance par le président Chambre députée, à nous demander pour monter une commission d'enquête pour aller au secours de la population de Akaye. Mais elle a traîné la question. Eh bien, dans la période ça encore, nous prenons. Pas tromper les rinages, nous fait consultation, député Fekir, nous a coordonné une réunion statutaire entre les autorités, les directeurs de services et les notables pour nous capables de gagner occasion ensemble pour nous garder, pour nous faire état des lieux, pour nous harmoniser un plan de travail et pour nous garder ensemble comment nous avons conjugué et faut nous pour nous retirer à Kaye dans la dimension que l'IA, parce que nous pas qu'à faire une cité de pour ça. C'est le droit qui a déchiré, c'est la nation qui a fait mal. Donc c'est assez qui nous fait questionnement et nous avons une réponse de toute autorité que nous interpellons. Quand on a fixé la balade sans beach, nous avons dans la ville à Kaye, et l'a fait vendredi, cap 12, en semaine ça, et son réunion statutaire entre les autorités, les élus, nous invitons les sénateurs, nous invitons les commissaires gouvernement, pour nous aussi tout acteur qui a venu, conjugué et foyer, magistrat, kazek et autres, pour nous prendre responsabilité, nous, parce que la population à Kaye a dit c'est assez. Et que yon promesse de route que nous t'ai fait avec Moun Rouge Germain. Je dis à l'arrivée à terme. Donc je dis à n'a fait lancement pour ce premier pierre route ça. Et nous dit Moun Rouge Germain yo que yo t'ai inquiet parce que ça fait longtemps que des l'autre monde qui t'ai toujours dit yo route la fête, yo pas de quoi. Des fois yo dit que faut yo prendre la rue. Bon en fait que pays assez consolidé parce que si pour jouer nos bagailles, il faut faire des autres. Mais nous, même dans le conseil municipal de Cité Soleil, nous disons non, pas gain ça. Parce que depuis nous disons que nous faisons des bagailles, nous faisons. Ça qui arrive, il prend un petit temps. Mais finalement, la privé. Et je dis à nous, disons que nous sommes en route. Le conseil municipal a porté route là pour nous. Et nous avons félicité le comité route Rue Germain qui était toujours à Goumé pour route ça arrive. Parce que nous comprenons que dans la vie, c'est une bataille liée. Et bataille là, ni seulement li pour li pour moi. Je dis à route là, pas seulement pour moi seulement, non, pas seulement pour mon Rouge Germain, non, c'est pour nous tous, parce que nous tous sommes haïtiens. Nous tous qui passons sur route ça là, je pense que je dis en là, nous, un conseil municipal là, vient répondre avec une promesse que l'a fait mon Rouge Germain. Et ceci, là, nous finissons Rouge Germain, nous allons attaquer route, oui, et pas Nérette, non, Ternoir.
Fontaine Noire Blanchard qui passait bon l'hôpital et Médecins sans frontières là. Donc on pensait que tout ça c'est le travail que nous avons pensé pour la plaine là. Parce que nous reconnaissons que il fut un temps la plaine était dehors dans la commune Cité Soleil. Mais je dis à nous voulons dire tout le monde qui sortit depuis Port de Paix, Rivière Bon Point, tout le monde ça fait partie de la commune Cité Soleil et nous avons un conseil communal qui a pensé pour tout le monde ça. Et ceci très bientôt, tout le monde pourra joindre un projet dans chaque bloc ça pour que tout le monde soit satisfait du conseil communal Cité Soleil là. Magistrat, combien de kilomètres route la fait dans Rue Germain? Et 2400 mètres linéaires que nous avons fait dans Rue Germain. Mais m'a dit nous ça tout et que le président nous te joignons encore ensemble avec lui. Et que le président dit nous fait caniveau la ville met asphalte. Je dis à nous parti pour caniveau là, asphalte là dans mes président. Oui, caniveau à Ligonkou, c'est la mairie directement qui finance et 7 900 103 000. Comité à conchif le basim. Comité à conchif la basim. Donc 9 703 600 gouttes. Nous avons continué saluer la presse. Jean-Marie a dit déjà qui toujours campé bon côté nous. Bon, en fait, je dis en nous sentir que nous paraît très fiers, mais ce n'est pas confortable. Parce que route là li à peine pour le démarrer jeudi hein, et nous a profité parler avec le comité hein, et film non pour bail un travail qui fiable parce que c'est le comité hein, qui va surveiller travail là et puis avec monde qui dans génie municipal dans mairie Cité Soleil. Je pense que c'est un travail qui va porter fruit pour les gens qui n'ont jamais eu. Non seulement ça, c'est un travail, conseil communal, qui va continuer à faire. Ce n'est pas avec en fait, les gens qui n'ont bloc Rijemé seulement. Je m'en suis dit d'ailleurs, c'est dans toute la commune Cité Soleil. Nous déjà chita déjà. Nous sommes en réunion pour nous voir comment nous allons déployer une synergie, pour nous voir comment nous allons arriver à toucher toute commune dans une série d'activités que nous allons mettre sous pied rapide. Et nous avons profité de la présidence, premier ministre, là, pour garder Cité Soleil, pour ne pas gérer Cité Soleil en parent pauvre. Parce que jusqu'à présent, pendant que nous parlons, nous pouvons joindre un financement ni la présidence, ni le gouvernement qui était là et qui était passé. Et Cité Soleil, nous connaissons les représentants de Gomos dans le pays. C'est avec recette propre, nos recettes communes qui nous fait travailler ça. Il paraît très important pour le président de cri moun Cité Soleil. Et nous toujours dit ça. Les ont-ils la pluie tombée dans Delma, Pétionville, la Litijou Bravena, Cité Soleil envahi. Ça veut dire toute fatra ça vient reposer la caillou. Et j'ai besoin de dire si ça a eu le site de décharge là, c'est dans la commune Cité Soleil qui est lié. Et je dis, on a placé route là, on a fait un appel avec le gouvernement, la présidence, pour commencer à garder comment pour gérer la commune. Nous remercions la population qui est campée des deux comités réseau gras et qui a fait une plaidoirie dans la question route qui germait. Bien entendu, le magistrat se dit que c'était une promesse de campagne. Mais nous sommes quand même capables de dire que c'est grâce à avec SIPO, réseau grand mouvement ça, qui rend que route ça, le lancement ça, matin là, est officiel. Donc nous-mêmes, nous campons là jusqu'à présent pour bonne marche et bon fonctionnement afin que route là capable de faire dans le sens qu'elle lui est faite et Jean lui est faite. Donc nous avons noté pour la population qui a regardé nous et qui a écouté nous. Non, nous c'est Benjamin Jepsi, alors nous c'est représentant réseau GRA et comité qui est responsable en matière de gestion avec le film IH qui est responsable pour faire route là. Donc nous vraiment senti nous contents matin et pour ça qui est fait là. Et nous avons dit population continuer, mettez confiance dans le comité ça. Parce que nous-mêmes nous pas là pour discuter en rien contre la population ça. Et toujours gagner des malentendus, toujours gagner des bagailles, mon apkoui, rumeur. Pas avant route ça a commencé à gagner rumeur. Qui te dit comité al prend cob dans main mairie hein, pour que route ça li capable pas fait. Donc jodi an li a clair que pas gen aucun magistrat qui passe là qui font déclaration qui dit que nous te jamais discuté question l'argent pour route pas fait. Donc nous remercions tout monde qui tout continue mettre confiance dans nous-mêmes en tant que comité cap gérer route là et nous remercions tout jeune garçon, tout jeune femme qui t'a goumé non sens ou bien non l'autre et nous a demandé que la présidence qui est capable prendre main
aussitôt que caniveau ça a fini, aussitôt que caniveau ça a fini, et pour asphalt la vigne mettre tout de suite. Conférence jeudi, li sorti dans drogue, comportement génial et inquiétude parent. C'est thème ça, conférencier nous, maître Ville-Saint-Jean-Baptiste, à débattre avec élèves collège Lavoisier matin. Parce que nous remarquons que société a société qui parle de mal en pire. Si moun yo élève l'école, yo, presque. T'as censé oublier l'objectif que vous gagnez, qui c'est apprendre et gagner un comportement qui zigne. Autrefois, il y a quelques bagages qu'on assistait. Non, puis ça, c'est pas même bagage. Qui ça me le dit pas là? Longtemps, t'es qu'on ne plus élève l'école, t'es moins élève dans la rue. Ça cause ça, c'est parce que gagner dans vos parents et tout, qu'on n'a pas une possibilité pour payer l'école pour vous. Vous obligé de rentrer dans une base et base ça, qui ça vous fait, c'est soit vous bras ou fumer. Il y a un marijuana ou bien un autre bagage encore pour retirer bon sens. Nous avons jugé nécessaire à l'occasion de la fête du collège Lavoisier de Homélus, situé à Delma 19, pour nous être capables de sensibiliser les jeunes sur l'affaire de drogue, qui est inconvénient, qui est problème li bay dans la société. Parfois, il y a quelques actes qui sont commettent, les jeunes n'en font pas. Ils ne peuvent même rendre compte s'ils font. Parce que les n'ont pas bon sens li vraiment la donne. Là, la pour aller drogue là, la pour aller et ciment, les changer bon sens li. Eh bien, nous-mêmes, dans le cadre pour nous aider élèves, pour nous sensibiliser jeunes, nous avons choisi le nécessaire pour ne pas faire abordage dans l'école là, pour ne pas passer vieille musique qui vous dérange, mais nous avons choisi faire une conférence débat sur drogue, comportement jeunes et inquiétude parents. Mais jodi a n'a fait activité ça ou comment c'est quelques drogues, est-ce que c'est quelques autre et bagaille ou ca considérer comme drogue jodi a et ou estimer qui nuit jeune yo en particulier? Mon cher, étant donné que moi-même suis chimiste, avant de dire un bagaille en drogue, faut me ta faire des tests pour moi si c'est drogue lié. Mais apparemment il y a l'autre bagaille qui présente comme drogue que moun yo même yo ta censé pas bay valeur, tel que musique dans camionnette, dans machine yo, il ta sans son drogue. Mais si moun l'el pas monter en machine gen musique rabordaille, il pas senti bien et parfois tout gen qu'on y va en retard dans l'école parce que a tant camionnette qui gen bon musique, ça a présenté tout comme une drogue. Le par exemple si moun nan tout la va l'école, que certains directeurs tout pas prendre responsabilité, que certains parents tout pas prendre responsabilité. Si moun nan pas fait qu'on oublie livre li billet kayel, mais songe pour le mettre en bouteille tafia dans valise. Heureusement au collège Lavoisier de Homélus, nous pas gen gens d'élèves ça yo. Grâce soit rendue à Dieu, nous pas gen gens d'élèves ça yo dans l'école là. Donc drogue là comme on dit ou li capable peut-être son musique ti moun nan très adéré, très aimé qui présente comme un drogue pour li faut le prendre de temps en temps. Téléphone portable là tout ca présenté comme pour lui comme une drogue parce que parfois si moun nan li pas ka vivre son SMS, il pas ka vivre son WhatsApp, il pas ka vivre son vidéo, ça nous même tout nous considérons comme une drogue.